Bonjour les gourmandis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Est-ce que juste quand je décide de tourner cette intro, un hélico est en train de charger de la marchandise? Oui, voilà. On se retrouve pour un nouveau 24 heures, un vlog en famille. On vous emmène en vacances avec nous dans ce lieu qui est juste à couper le souffle. On est en Italie, au lac de Côme. C'est la première fois qu'on vient ici et c'est juste incroyablement fou. Et donc on a décidé de partager une journée avec vous. Et pour commencer en beauté, je te propose un petit house tour en musique. Ça te chauffe? Let's go. You got me feeling kind of crazy. You got me feeling like my head is spinning round. The way you look is so amazing, amazing. I could stare into your eyes for hours and hours. Everything is kind of hazy. We're just dancing in the dark in the flashing lights. I know you can't hear what I'm saying, saying. So I'm just gonna hold you closer. You take me higher when we're together. It feels like you set my whole world on fire. I know I want you, I know I need you here. Comment vous dire que les larmes ont coulé quand on est arrivé dans ce nouveau lieu incroyable, et d'autant plus qu'on partage ses vacances en famille. On a emmené mes beaux-parents, ma maman, les enfants, bref, la famille est au taquet et ça promet des moments hauts en couleur. Et j'en profite pour glisser un petit mot à mon papa et à ma belle-maman qui devaient venir, mais les événements ont fait qu'ils n'ont pas pu être là. Mais on pense fort à eux et ce ne sera que partie remise. On commence cette journée. Inutile de préciser qui est la plus reloue de ce séjour. Voilà. Qui c'est qui est malade? Ah oui, j'ai oublié de le dire. Parce que c'est vrai que nous, quand on fait les vacances, on les fait pas à moitié. Ninou est tombé malade, donc en fait on a eu une grippe avant de partir que Loïc a chopé au moment de partir. Et dans la famille, on partage tout, même les microbes. Non mais je rêve quoi, maintenant c'est les deux grands-parents qui s'y mettent, bébé. Mais moi c'est quand qu'on berce? Pour info, normalement, s'il s'y tient, Mathis tournera aussi une vidéo. Donc vous aurez la vue de Mathis sur sa chaîne YouTube. Donc allez-y, si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Allez, on fait plaisir aux fistons là. Allez, contenu de qualité. Et pour une fois, j'ai envie qu'on se lance un défi, Ninou. Tu vas principalement prendre le contrôle de ce vlog. Non mais hey, vous avez vu un homme malade? Arrête. Allez, c'est moi qui prends la cam. Oh putain. Yo les loups. Allez, c'est moi. Arrête-nous. Attends, viens, on fait une transition. Transition lunettes de soleil. Vas-y. Non, transition en vol. Non, lunettes de soleil, c'est très bien. Première excursion, c'est parti. Ah, mais Ninou. Mais c'est comment? Mais doucement. Mais c'est moi qui avance, c'est pas toi. Pourquoi je vois rien? Pourquoi je vois rien? Je mets mes lunettes, je vois plus l'écran de la cam. En fait, le filtre fait que c'est tout noir. Wow. Oh my god. Allez, on y va. On va pas raconter les péripéties? Non, Mathis les a racontées dans son vlog. Ok, super. Lui, en fait, il prend les aléas. D'accord. Ah. Ah, il a montré quand on s'engueule? Oui, oui, oui. On est sur le vrai bateau, là, comme on avait dit. C'est trop beau. On va pas se mentir, c'est quand même relativement classe d'arriver au restaurant en bateau. Donc, en fait, c'est la particularité du lac de Côme. C'est que la majorité des transferts se font en bateau pour aller d'une île à l'autre. Eden fait dodo dans la poussette, il s'est endormi, mais timing est parfait. On sait pas pour combien de temps. Je vais vous montrer l'extérieur parce que c'est beaucoup trop beau. C'est la salle où on va manger. Et donc on a la vue directe sur le lac. Et attention, petit bonus pour les kids. Petit terrain de tennis. Elle est pas belle la ville, hein, les gosses? Franchement, mais le cadre pour jouer au tennis, quoi, c'est ouf. Non mais doucement, Matt. Pff, la honte, il a oublié qu'on était au restaurant. Doucement. Non mais oh là là. Bon alors, le temps que vous appreniez à jouer, on sera au dessert. Maman, quoi. Attends, mais je sais pas pourquoi la raquette, elle est bizarre. Oui, bien sûr, c'est mais la raquette. Oui, 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 c'est la raquette. Oui. Ça, c'est typique restaurant italien. Les petits cressins que tu bouffes en entrée et qu'après t'as plus faim parce que t'as tout mangé. On est d'accord. Jean Dujardin, Bryce the Nice. Grazie. Le spritz à consommer avec modération. Allez, chin les yev. Jeune. Timing parfait, j'ai peut-être parlé un peu vite, non? Il a dormi 10 minutes. Et il est requinqué. Il a pris du gourmandin, je sais pas ce qu'il a pris, mais... Il est surénergé, il est très... Tu veux de la truite? La petite truite, hein? Oui, d'accord. Petit poisson pané accompagné de ses petits légumes.
de son petit spritz et de son petit spumante. Voilà, là on est. Et de son petit bébé qui pleure. Oui, oui. Loïc, jamais dans l'excès. Non, alors. Non, mais bébé, la taille à côté de ta tête. Alors, il avait sous-estimé, je pense, parce que là, c'est gros. C'est énorme. Comme l'amour que je te porte. Oh, c'est... Resto terminé, on a déjà repris le bateau, on est retourné de là où on venait, on a pris la voiture et là on est à... Menaggio. Menaggio. Et c'est fort mignon, pose glace obligatoire, d'ailleurs petite glace à la passion, qui est extrêmement bonne, et glace mangue pour Loïc. Eden est à l'acte sieste 2, ce que je vous ai pas dit c'est qu'on a dû s'arrêter sur la route, lui donner à manger dans la voiture, bref c'était l'apocalypse du goûter. Et voilà, et là on fait petite balade et apparemment les enfants ont repéré un petit endroit où ils veulent s'arrêter. On est dans un nouveau mood italien à fond, le cappuccino. Mangiamo un cappuccino, bebe. Mangiamo. Bebe, scusa. Ma questo è importante perché questo è zucchero di canna. Ma io no, perché siamo alla dieta. Allora... Siamo, mais toi tu parles italien comme ma mère. Hein. Mais non, mais perché devi parlare così? Nunzia, t'es italienne pourtant. Tiros. Bah oui. Quoi, ton fils, il parle pas italien? Il parle très bien italien. Ah oui, on voit ça. Mais parce que là, je fais pas attention. Dis, je suis amoureux de la plus belle femme. Vas-y, fais-moi, drague-moi en italien. Tu es molto carina. Te lo dico. Carina, ça veut dire quoi? Chaude. Mais non, ça veut dire belle. Donc, petite pause cappuccino et on se retrouve un peu plus tard. On est de retour à la... Oh là, mais qu'est-ce que tu lui fais? Je sais pas s'il adore. Hein. Mais oui, on aime, on rigole. Ouais, c'est... particulier. C'est particulier. On est de retour à la maison, on est en train de papoter avec Loïc et on se disait demain on a prévu deux autres activités, pas des moindres, et du coup on a envie de vlogger ça. Donc si. On va faire de ce 24 heures un 48 heures dans 24 heures. Bon papa, tu voulais dire quelque chose? Ce qui fait le beau ce matin, il s'est éclaté la gueule dans les escaliers. C'est dommage, on n'a pas filmé la chute de beau. Je l'ai entendu dans les escaliers, j'ai entendu papa. Aïe. C'est l'heure du repas et maman Loulou est en action. Est-ce qu'il mange bien ce bébé? Un peu carnage. Regardez. Bon, on a peut-être oublié le bavoir. On fait les choses à l'arrache. Mais bon, le principal c'est qu'il mange, non? Oh là là, ah oui, oh là là. Ouais, je vais prendre le relais, je crois. Ninou a pris le relais dans le repas. Je sais pas si ce sera plus efficace et plus propre que Luan. On a une nouvelle fois une météo de fou. Le planning d'aujourd'hui va être fou. On ne boit pas la bouteille. Combien de fois va falloir vous le dire? Ah, c'est ta bouteille perso? Ah, ok. Enfin bref, on va finir de se préparer et on vous emmène avec nous dans ce deuxième jour. Je voulais vous faire part d'un événement paranormal sur Loïc. Regardez, non mais... Ninou, t'as les yeux verts? Ça va. Non mais je l'ai rencontré, il avait les yeux marrons, il vieillit, il a les yeux qui deviennent verts. T'as les yeux marrons au milieu, vert presque bleu autour. Mais c'est bien ou... Ah oui, t'es beau. Tiens, dites-nous dans les commentaires, Ninou, il est mieux avec ou sans cheveux? Non, je déteste. Moi, j'aime bien. Ça change un peu, voilà, c'était lancer le pari de laisser un peu pousser. Vu qu'on ne voit jamais assez cet extérieur incroyable, je vais partager avec vous la météo du jour. Oh! Bon, on y va ou on y va là? Eh, hey, ciao! Noi siamo a Bellagio. Siamo arrivato. Pas mal, nous. Con il bateau. Ouais, bah allez, c'est bon. Non, mais c'est pas mal, mais en vrai. Non, c'était pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Siamo arrivati. On est venu en bateau, les loulous. On a vu la villa de George Clooney. Ben, Georgie. Maman a été refaite. George Clooney. Attention. On a en porte-bébé Dorsal, là. Vous avez vu, c'est un peu, c'est plus que c'était avant les randonnées. Mais il dort pas, hein. On est pas mal. Je dois filmer en cinématique pendant que je fais le vlog. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme un Fort Boyard. Voilà. On m'a mis un lest de 7 kg dans le dos. Ouais. Je te plains pas, moi j'ai un lest de 20 kg depuis 10 ans. La montée là, franchement, elle était très violente. En fait, le truc c'est qu'avec Loulou, on cherche un glacier. Enfin, voilà, je te le dis, un vrai bon ah ouais, glacier. La Stracciatella, ouais. Je la défends. Moi, objectif, fraise Melba. Papa, ton cholestérol. Arrête tes conneries. B, elle est où ma mère? Nuncia. Ah putain, je l'ai marché dessus. Putain, ah non, elle est là. Elle est pas dans le cadre. Du coup, on galère à chaque fois. On a peur de la perdre. Tu peux venir dans le sac? Bébé, viens, on fait marcher d'elle. Maman, tu veux aller dans le sac? Je veux venir, là. Bon, on est en petite pause hydratation. Les gars, j'ai le dos. Je crois que j'ai 6 litres d'eau dans le dos. Maman Loulou a pris le relais. Et après, on va aller à une... Una gelateria. Una gelate... gelateria. Voilà. Perché noi abbiamo subito envie d'una gelata. Il est officiellement l'heure de se déshydrater. Bon, j'ai été raisonnable. On est sur du mojito sans alcool. Voilà, le grand frère a pris le relais, c'est trop mignon. Voilà, on
on a nos nounous attitrés, Mathis et Louane. C'est l'heure des glaces. Alors Ninou, j'ai choisi pour toi, tu dois deviner à la bug c'est quoi le goût. Bah c'est vanille. Non, c'est pas vanille. Ah. C'est pas vanille. Allez, tu dois chercher. Mathis, il a pris la petite glace biscuit, putain ça, j'avoue, je kiffe. Et Loulou, fleur de lait et fraise, parce qu'il n'y avait pas vanille. Ça c'est Kinder, non? Non. Oui. Tiramisu? Non, cheesecake. Encore. Ça n'a pas le goût. Ah, zéro. Bon, c'est la déception. Nul. C'est l'heure de la sucette. Il faut savoir que si je ne marche pas, Eden s'impatiente. C'est, il faut être tout le temps dans l'action et en mouvement. Donc là, on a une autre petite sortie prévue. On va marcher une bonne petite demi-heure, là. On va faire notre sport. On est à un moment très critique de la journée. On vient de perdre la belle-mère à l'instant. Mon père a décidé de mener la balade. Donc il est 3 km devant. Donc le groupe est étiré, tu vois. C'est ça. Et on a des... Attention, on a des nouvelles de la belle doche en direct. Elle a dit qu'elle t'a dit qu'elle s'arrêtait là. Mais j'étais pas là, je prenais une glace. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a fini? Bon, du coup, viens. Qu'elle paye. Voilà, j'ai pris le contrôle de ce vlog, je ne sais pas pourquoi. Ne faites pas attention. La mère est française et son cœur est parier. Bon, on a fait le goûter d'Eden dans un spot absolument incroyable. Franchement, mais c'est une très très belle visite. Là, ça va être l'heure de rentrer à la maison pour nous. Eh ben, bien sûr. Mais bien sûr. Écoutez, on va clôturer ce vlog. On espère que ça vous a fait plaisir de partager ces petits moments avec nous. Bah oui. Et sachez une chose, c'est qu'on vous aime de ouf, de dingue, de malade. Et on vous dit à très bientôt, ici ou ailleurs. Ou ailleurs, hein, bien sûr. Ciao.